Vidéo super originale, il y a quoi dans mon sac? Alors, étant donné que j'ai deux sacs, un sac de sport et un sac photo, je vais faire les deux. Vu que je faisais de la photo depuis pour nombreuses années, j'adore faire de la photo. Mon sac photo me servait de sac de cours, donc je vais vous présenter tout ça. Vous verrez bien. Et pour le sac de sport, quoi de mieux que d'aller faire une séance à la salle? Tiens, on va faire un truc. On va faire une transition stylée. Pourquoi habille-toi? Parce qu'on va à la salle. Ouais, t'es en train de filmer. Oui, mais on va à la salle juste après. On va en train de filmer. Deuxième clap. Du coup, le what's in my sac à dos, le y a quoi dans mon... T'as acheté quoi? Ton téléphone. Il m'emmerde. Du coup, pour aller à la salle, une gourde. On va pas se mentir, les bandes pour les poignets. Moi j'aime bien, pour le développé couché, le squat. Les genouillères pour le squat. Alors je les trimballe pas tout le temps, les genouillères, parce que je vous avoue que c'est chiant, ça prend de la place. Mais quand je fais une séance jambes, genouillères. Bon, elles sont à l'envers là. Je les présente pas, tout le monde connaît SBD, c'est très très bien, ça marche bien. Il y a mieux, il y a pire. Moi j'aime bien. SBD, ça marche bien. Pour rester dans du truc qui marche bien, la ceinture SBD. Il n'y a pas mieux qu'une ceinture SBD à levier. Honnêtement, je connais pas d'autres marques qui proposent des ceintures aussi bonne qualité. Donc SBD. Avec les genouillères. Serviette. Oubliez pas votre serviette à la salle les gens. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi est-ce que j'ai une calculatrice dans mon sac? Cadenas. Écouteurs. Ça va avec la calculatrice. Pour faire des vidéos maths. Magnésie. Non, c'est interdit ça. Faut pas dans les salles de sport. Il y a certaines salles qui acceptent la magnésie, d'autres non. La mienne refuse la magnésie, donc j'en ai pas. C'est pour l'escalade, la magnésie, toujours. Si vous utilisez de la magnésie, nettoyez vos barres. Les bandes, alors, les bandes là, je ne les utilise pas pour du soulevé de terre. Je les utilise pour mes séances d'eau. Les bandes classiques, hein, vous mettez des bandes n'importe quelle marque, on s'en fout, j'ai pas de marque à présenter. Je suis pas en partenariat avec SBD, j'aimerais bien, mais voilà, je kiffe juste leurs équipements, du coup c'est cool. Sinon les bandes pour poignets, voilà, tu prends la bande, tu la mets autour de la barre. Pour du séance d'eau, pour soulager un peu les avant-bras notamment, pour focus, grand dorsal et autres, les bandes pour poignets must have, c'est trop cool. Un déo. Pareil, je suis pas sponsor par Axe, hein, mais c'est... J'espère que vous avez entendu cette blague nulle à chier. Elle a dit, Axe, c'est mieux pour mieux calculer les axes. En mathématiques, tu sais, genre l'axe X, Y. C'est une blague de maths, quoi. Donc voilà, il y a quoi dans mon sac à dos, version muscu. Voilà, on se retrouve chez moi pour le What's in my bag, version matos. Vidéo et sac de cours quand je vais en cours. C'est fou ça de m'emmerder autant là. De retour chez moi après la salle, What's in my bag version sac photo vidéo. C'est parti. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Ça me soutiendra grandement parce qu'une majorité des gens ne sont pas souscrits à la chaîne, ceux qui regardent ma vidéo. Mais je le vois dans les stats. Donc on se retrouve chez moi. J'essaie de vous faire un plan un peu stylé parce que le reste est en bordel derrière. Donc je filme avec mon iPhone là, comme ça vous pouvez voir aussi mon matos vidéo et photo. Quand je vais en cours, je me trimballe tout le temps avec mon matos vidéo et photo. Ne me posez pas de questions. Je suis du genre à considérer que dans n'importe quelle situation, tu peux prendre des photos stylées de ouf. Et quand la situation se présente,
je vais être en capacité de prendre la photo stylée de ouf. Bref, on se retrouve du coup avec un sac. C'est un sac Peak Design. Je suis pas sponsorisé non plus par cette marque là. Leurs sacs sont juste incroyables. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est du sac, c'est du tissu qui est recyclé. Ils font aussi partie, comme mon sponsor Akilab. Si vous ne l'avez pas vu, je suis du coup en sponsoring avec Akilab, marque de nutrition made in France. Bref, ils sont avec 1% pour la planète. C'est cool, 1% des bénéfices de la société est reversé pour la planète. Je suis pas sponsorisé par eux, mais je kiffe de ouf leurs produits. Donc sac à ouverture rapide au-dessus, sur les côtés, pour saisir l'intérieur, tout ce que tu veux. On va commencer par... Alors déjà, il y a un trépied. Quand je vais, je sais pas, en cours, admettons, le trépied est pas avec moi, généralement il est dans ma voiture, toujours au cas où. Trépied, c'est quand même très bien de toujours en avoir un en tant que photographe, vidéaste. C'est toujours pratique un trépied. C'est un trépied KNF Concept. Donc qui est un trépied qui est très cool. Je vais pas vous faire une démonstration de comment ça fonctionne. Ouverture rapide avec un quart de main. Voilà. Ou même à l'envers si jamais tu veux être près du sol. Bref. Voilà, c'est un très bon trépied. Honnêtement, c'est un peu épais. Honnêtement, ça fait vraiment le taf. Et ça se déplie au max à 1m70, 1m80. Donc c'est vraiment très bon. Très bon trépied, je peux vous le recommander. Donc voilà, sac Peak Design, c'est le Everyday Backpack version 2. Petite lanière aimantable et sur pivot. Parce que quand tu te trimbales toute une journée durant, par exemple quand t'es en, je sais pas, admettons en vélo, comme on a fait le reportage à vélo, j'avais ce sac là avec moi, et j'avais cette petite option là, qui permet d'avoir une... en plus de ça, ça se met à l'intérieur, et ça permet d'avoir une sangle ventrale, en même temps que d'avoir la sangle pectorale. Bref, c'est un très bon... ceux qui veulent savoir des renseignements, il y a plein de vidéos qui parlent de ce sac. C'est très très bien. On a du coup en haut dans la poche mon Mac. MacBook Pro, M1 Pro, 16 GB de RAM, 1 Tera, 8 cœurs logiques, 16 cœurs neurales. J'ai acheté au Canada. Parce que c'est moins cher au Canada. Disque dur. SSD. Parce que oui, 1 Tera, c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant. Du coup, j'ai 1 Tera encore en SSD en plus, et 2 Tera encore... en SSD en plus, parce que les vidéos mine de rien en 4K ça prend de la place. Ensuite j'ai, ça c'est ma trousse aussi en cours, donc j'ai mon 4 couleurs qui est toujours dans ma petite trousse. J'ai aussi un couteau sale qui commence à rouiller, toujours pratique d'avoir un couteau sur soi, vous pouvez pas dire le contraire. J'ai ce truc là, ça permet en fait de fixer son appareil photo en bandoulière, donc tu mets ton appareil photo claque. Surtout dans un cadre de photographe où tu te déplaces un peu et que tu peux prendre des photos rapides, c'est vraiment génial. Je n'utilise plus beaucoup parce que je fais beaucoup plus de vidéos maintenant que de photos, mais c'est très pratique, c'est pas mal. Voilà, ça c'est la poche pour le Mac. Ensuite, de l'autre côté, on va sortir la poche, en fait, dégaine rapide, donc tu sors ton sac du côté et en fait tu peux avoir du coup directement accès à ton appareil photo. C'est génial. Ça, c'est vraiment une des meilleures features, parce que quand tu vois un truc rapide et tout, tu sors juste une bande, bandoulière, tu prends comme ça là, bien, tu l'ouvres et tu peux direct avoir accès à ton sac, enfin à ton appareil photo. Voilà. Là actuellement, ce qui est monté dessus, c'est un 28-70 f/2.8 Sigma avec un boîtier, c'est un Alpha 7C compact. Je voulais un Alpha 7 S3. Alpha 7 S3, beaucoup trop cher, et en fait je voulais pas un Alpha 7-3 parce qu'ils ont pas l'écran sur rotule. Et Alpha 7C c'est à peu près l'identique de l'Alpha 7-3 mais avec un écran sur rotule. Et quand tu fais des vlogs, c'est quand même pratique d'avoir un retour, au moins au niveau du cadrage. Donc must have, c'est trop bien. Et pour pas plus cher en vrai que l'Alpha 7-3, un peu plus cher je crois, mais bref, hein, toujours est-il que c'est trop bien. Et pour faire des vidéos qualitatives comme vous avez pu le voir à la salle, Ça marche quand même du feu de Dieu, tu vois. Bref, ensuite, pour les cours, en fait, j'ai des A4. Je me balade pas non plus tout le temps avec, parce que là, je suis en entreprise, je me balade pas avec ça dans mon truc. Mais j'ai des feuilles A4 pour les cours. Généralement, tous les cours sont dématérialisés, c'est très cool. Mais quand il n'y a pas de cours dématérialisés, ou quand tu as besoin de faire des croquis, ou n'importe quoi, je sais pas, feuilles A4, c'est toujours pratique. Une souris, la souris Logitech. C'est la MX Master 3 pour Mac. Le trackpad c'est cool, mais quand tu fais des montages un peu dynamiques, moi perso, sur les montages, j'utilise les deux. À la fois le trackpad et à la fois la souris. Parce que c'est trop pratique. Bref, souris, c'est très très bien.
Je voulais déjà te présenter dans l'autre sac, mais c'est vrai que quand je vais en cours, elle est dans ce sac-là. Voilà. Sinon, le micro. Nouvel investissement pour avoir une meilleure qualité son. Bon, là, actuellement, je suis avec un micro-cravate à côté qui est branché sur le truc. Je suis, il fait chaud ici. Bref, micro, c'est un Sony. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un Sony 300 briques. Directionnel, il y a la moumoute dessus, mais tu peux l'enlever. J'ai pris le top de ce que je pouvais trouver. Parce que c'est trop bien d'avoir un micro, tu te prends pas la tête, sachant que là, il n'y a rien à brancher quand tu le branches sur un Sony. C'est compatible Sony, ça se met sur la griffe et tout transfert. Ensuite, on a quoi d'autre? Oui, je me balade tout le temps avec un Rubik's Cube. Oui, je sais pas quoi vous dire de plus, j'aime trop les Rubik's Cube. Je vous avouerai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc là je le mélange. Ok. Il y a déjà des pièces qui sautent parce que je suis mauvais, j'ai plus l'habitude d'utiliser mes doigts. Je suis sûr que ça, putain, c'est gentil, j'ai fait des récupérés. Ah, j'ai plus l'habitude de faire du Rubik's Cube, moi. J'ai vraiment perdu. Voilà, bref. Des micro-cravates. C'est les mêmes micros que j'utilise là. Honnêtement, c'est... Pour le prix, ça fait le taf de fou. C'est des micros que j'ai payé 20 balles ou 30 balles, je crois, à la Fnac. Donc c'est des petits micros. Alors celui-là, j'ai perdu la moumoute. Mais petits micro-cravates qui sont du coup en jack. Je le branche à un adaptateur sur mon iPhone. Là actuellement je peux pas vous le montrer vu qu'il est branché. Mais ça fait le taf de ouf. Fnac. Bon, ensuite on a plein de trucs en poche externe. Alors carte SD, must have si tu veux faire de la vidéo. Là c'est une 128Go, il y en a une 128Go encore dedans. Mais de rien ça commence à coûter cher. Et si je veux passer sur plus gros genre Alpha 7S3, bah là je serais aussi obligé de passer sur du CF Express type A. Ce qui est encore plus cher, c'est 300 balles la carte pour 120Go. Batterie, toujours avoir des batteries de rechange, hein, toujours, parce que déjà là celle-ci elle est déjà épuisée, faut que je la recharge, bref. Batterie de rechange, toujours avoir ça. Ensuite, je crois que j'ai grand chose de l'autre côté. Bon, il est beaucoup plus léger. Non, j'ai pas grand chose de l'autre côté, je dois avoir un truc pour nettoyer les objectifs. Puis là c'est du câble USB-C. Pour le Ronin. Ah ouais, aussi autre chose, c'est mon deuxième sac Peak Design. De celui-là, parce qu'un jour j'ai une fermeture qui a cassé. Je leur ai envoyé une photo, ils m'ont renvoyé un nouveau sac, gratos. Parce que oui, ces sacs sont garantis à vie. Je sais pas quoi vous dire de plus, meilleur sac du monde, hein, vraiment. Il y a des sangles dans tous les sens que tu peux. Bref, enfin la majeure partie du temps, du coup, il y a que ça dans mon sac. Mais il m'arrive du coup d'avoir des gros tournages comme le tournage qui va arriver avec le Béhour. Et où dans ce cas-là, je prends un peu plus de matos. Donc là, j'ai un autre sac, un cabas avec plein de matos un peu en vrac. À savoir un réflecteur qui fait plein de choses en même temps. Ça permet d'avoir trois revêtements. Donc réflecteur blanc, or, il fait noir et gris. Tout en un. Et ça fait aussi à la fois diffuseur, il y a un truc un peu transparent. Donc Godox, ça marche bien, ça fait le taf. Ensuite, j'ai un Ronin. Qui ne sait pas clipser. Voilà. Ronin SC2, ça rentre dans le sac. Il y a tout qui passe dans mon sac là. Même le Ronin il passe avec, en plus de ça, quand il y a besoin, de l'éclairage. Petite LED en bit full A2. C'est un bâton LED. RGB, connectable en Wi-Fi, enfin en Bluetooth pardon, à ton téléphone et tu peux, enfin une petite vis, tu peux brancher le pied du Ronin. Oui, c'est pratique quand tu veux la poser à un endroit. Pied du Ronin, du coup, je vous fais pas la démonstration d'un Ronin, mais Ronin ici, là, petit mallette. Si vous connaissez pas un Ronin, ça permet d'avoir ton matos qui est stabilisé. Je l'ai pas allumé, je voulais pas vous faire une démonstration, mais ça, tu le montes dessus. Et t'as une stabilisation de dingue, Ronin. Celui-là, c'est le compact, qui se range en mallette, là, c'est très très cool, c'est très pratique. Il y a mieux, il y a pire. Mais ça marche et ça fait le taf. Ensuite on a GoPro. Trois quarts des plans de mon court métrage ont été filmés à la GoPro. C'est une GoPro
qui a pris Tarif au Béour Hero 8 Black. Étonnamment, elle a un son qui est incroyable. Trois quarts des extraits audio de notre road trip à travers la Bretagne, trois quarts des extraits audio sont faits avec le son de la GoPro. Je saurais pas vous dire, ah, c'est excellent. Elle a pris Tarif au niveau de l'objectif, et pareil sur le boîtier, parce que je l'ai porté en FPV sur le Béour. Donc elle s'est pris des coups de hache, littéralement. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle n'est pas encore sortie. Elle va sortir d'ici deux semaines, ou une semaine, la semaine pro, je sais pas encore. En fonction de quand est-ce que je sortirai celle-là. Bref, elle a pris Tarif. Je vous invite à aller la voir la vidéo si vous la voyez après. C'était très marrant, c'était très cool. Merci beaucoup aux filles du Béour. Donc voilà, avec adaptateur pour carte SD, j'ai des batteries, j'ai des stands, j'ai un petit trépied, voilà. J'ai des fixations dans tous les sens pour le torse, pour la tête, pour le bras. Bon, j'en ai pas plus eu l'utilité que ça quand je suis parti en voyage en vélo, mais ça fait toujours le taf. Alors tout ça, ça, honnêtement, ça passe quand je suis en tournage, c'est lourd. Mais tout passe en sac. La majeure partie du temps, je me travaille juste avec mon appareil photo, mon Mac. Dans mes sacs, il y a aussi... Je ne l'ai pas montré, mais ils sont cachés. Il y a des AirTags pour les localiser si je les perds. C'est très pratique. Ça permet de savoir où ils sont. Et si on les fait voler, j'ai enlevé le beeper. Je vous rentre pas dans les détails. Des AirTags sans le son. Qui a un peu planqué partout. Dans celui-là, dans tout. Vous ne les trouverez pas. Si on me vole mon sac, vous ne les trouverez pas. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça me permettra de me soutenir. On se revoit vite pour une prochaine vidéo, notamment celle du Béour.